C'est lui-même, Jean-Daniel Sénat, avec Robertson Alphonse, pour le partager ensemble avec vous. Donc, il y a invité dans le pays recevoir pour jeudi à la. Il y a deux éditoriales qui sont sortis dans le journal de Noveliste hier avec jeudi à la bien pour nous commenter. Monsieur, on nous rentre rapide dans la télévision actualité. Et puis, gros point, c'est Rodolphe Ja, il a arrêté en République dominicaine. Mais je n'ai dit ça là hier, Sénat. Et, je dis ça, nous ne pouvons pas dire que c'est vrai, c'est peut-être qu'il y a une confirmation. Depuis que l'Amérique a arrêté, nous pensons, nous ne pouvons pas dire que c'est vrai, non? Nous pensons qu'il faut qu'on ait envie de parler. Depuis qu'on ait envie de parler. Nous ne pouvons pas dire que c'est vrai, nous ne pouvons pas vérifier ça en quel côté. Mais nous, ouais, ça. Nous pensons ça, nous ne pouvons pas dire ça. Nous qui sommes parlés là. Nous pensons ça. Monsieur Ja. Depuis qu'on ait envie de parler. Rodolphe Ja. Mes amis, tu es bien? Oh. Non, mes amis, non, non. Non. Où est-ce que mon corps, mon âme? Pardon. Non, mes amis, ça. Oh. Ah. Okay. C'est une monsieur qui était Oui. Qui t'a couru, il était dans ma ouais. OK, belle. OK, belle. Et puis il parlait. Il peut parler aux personnes. Et ça me donne des New York Times dit oui, New York Times il était parlé avec avant de démarrer dans un club en République Dominicaine, il dit plusieurs paroles, oui. Et mais votre bol, you know, mes amis. Oh, m'a dit ça moi dans l'article là, eh bien, il dit que, bon, il dit que M. Henry avec M. Badio, eh bien, il a gagné des liens très étroits. C'est ça, et New York Times dit dans un article qui apparaît hier. Il dit que, eh bien, après l'assassinat président haïtien, hein, Ariel Henry vient premier ministre. Il dit la paix traîner devant la justice, moun qui nan zak assassinat sur le président Mauricio. Mais le journal a dit qu'il y a de nouvelles preuves qui suggéraient que M. Henry gagnait des contacts avec le suspect principal dans l'affaire. Et il était même été, m'a cité, en contact étroit après l'assassinat. Pas mandé, m'ti ben, t'es pas même si Abdi. On se dit là, c'est dans New York Times, moi, Lily. Ben, yo dit plus loin que, ben, gagne relevé téléphonique que New York Times consulté, avec entretien qu'il fait avec des responsables haïtiens et suspect principal là, ben, gagne des contacts avec monsieur Henry. Il dit, monsieur Badio parlait à monsieur Henry avant et après. Assassinat qui fait sous Jovenel Moïse, notamment il y a deux appels qui ont été passés, dont durée totale de 7 minutes. Jour matin même, il était trouillé. Le président Moïse, la Kaeli. Ensuite, le Badio, la police a cherché lui. À moi, non, pas parler, c'est ça. New York Times dit, eh bien, il était rendu visite à Premier ministre Henry. D'après ça, deux fonctionnaires qui ont connaissance de l'enquête l'a dit. 4 mois après l'assassinat du président Moïse, fonctionnaire ça a déclaré que M. Badio est allé dans le cas officiel M. Henry 2 fois, soleil couché dans la nuit, et il est rentré sans pas en sécurité. Je ne sais pas si je suis rentré à la cas où je suis rentré. Vous avez rentré? Oui, je suis rentré. C'est où? Non. Je suis arrivé, c'est vraiment dit, si ça non, M. Oberson, sauve-le. Mais bon, c'est comme ça. Eh bien, c'est lié. Mais oui, c'est comme ça. C'est mon cas lié. Et ça, moi, je dis. Et puis, moi, tout, Dani, mal pour mettre les lunettes là. Mon bon, après, c'est sur un coup de poing. Eh bien, je dis plus loin. Eh bien, je dis, je n'ai pas réussi à vérifier ça. Mais je dis plus loin. Je vais prendre si le premier ministre Henry, qui je dis en charge de Bayo, eh bien, s'il te fait quoi que ce soit pour t'aider, monsieur. Badio qui en fuite, mon porte-parole, M. Henry, qui déclarait que malgré un enregistrement audio, que eh ben, M. Henry n'a pas parlé avec M. Badio après l'assassinat, il n'a pas eu de relation avec le suspect M. Badio. Le Times dit M. Badio est injoignable. Mais il y a un ancien commissaire gouvernement, pardon, Prince, M. Bedford Claude, eh ben, qui lui-même lui dit que le eh ben, Premier ministre a dû répondre des questions dans l'affaire ça. Maintenant, New York Times dit que les rencontrer dans un chantier en République Dominicaine, M. Thibène a parlé de lui tout à l'heure là, M. Rodolphe Ja, un ancien homme d'affaires, un ancien trafiquant de drogue qui est condamné, qui a fait job informateur pour
DEA, eh bien, li admet que li te ride, financé et planifié complot pour touyer président Moïse. Avant la consassinat, M. Jean déclaré que M. Badiou te dit que M. Henry sont alliés utiles. Après, au fin renversé, Jovenel Moïse. C'est bon sang même, moi j'ai contrôle. C'est ça. Eh bien, M. Jean rappelé que M. Badiou te dit. Après l'assassinat, M. Jean déclaré que M. Badiou avec lui-même était en contact et pour échapper à contrôle de l'autorité. Et que les dénégués étaient partagés, même Kay, qui était sécurisé plusieurs jours après le meurtre. Dans une heure qui était suivie à l'assassinat, les policiers étaient piégés, mais en scénario, M. Jean a déclaré que M. Badiou était même mandé pour le ministre Ariel Henry pour aider le chapé. Selon M. Jean, M. Henry. Qui est-ce qui est-ce pour aider le chapé? M. Badiou, mandé. Oui. M. Ariel Henry. Pour aider le chapé? Oui. Okay. Monsieur Ariel Henry dit qu'il va faire quelques appels. Ok, depuis le sac, pas j'aime qu'à jeune M. Badiou. Hein? Nous jeunes, nous ne pouvons pas jeunes. Il y a trois fonctionnaires haïtiens qui impliqués dans l'enquête ont confirmé que M. Henry était en contact avec M. Badiou à plusieurs reprises. Fonctionnaires n'ont pas autorisé pour parler de ça, mais ils ont indiqué que M. Henry est adoué, un suspect officiel. Maintenant, avant. C'est facile pour diriger l'enquête. Avant la déclaration, ça. Pays, avant déclaration, ça, RNDDH dans le rapport là, il te dit il y a 12 appels qui fait entre Ariel Henry avec Badiou, il y a 2 qui fait pendant le jour même. Il y a 2 appels entre deux messieurs ça qui fait pendant le jour même. Donc RNDDH est un petit bruit dans le barrière là. Et ça, on te dit oui, selon Jacques, comploté, il t'a préparé pour te mettre comme président Mme Wendell Coq-Tello. Et aussi, M. Jaffer m'a suggéré qu'il y a des éléments clés dans l'État haïtien, notamment dans la force sécurité qui a préparé une tentative pour l'État ça. Mais tout plan était visé pour capturer le président et non tout il. Et d'après ça, j'ai déjà affirmé que lui, par contre, comment pour qu'il sa plan a changé et le ressorti de contrainte à démission à assassinat du président. Appel téléphonique M. Henry à M. Jaillot révélé pour la première fois en septembre que ben il y a des contacts qui étaient pris à l'époque. Maintenant tout il y a des paroles qui disent que tu as demandé l'autre chef et si pas etc. Paroles frère. Oui. L'autre chef qui était dans la réunion. Oui. Le chef qui vient, chef Rounia. Oui, il est dans le téléphone. Non, tu n'as pas besoin là. Bien moi ni pas besoin pas de Honda qui avait. Et par nous-mêmes, c'est New York Times. Oui. New York Times parlait de Badiou tout. Badiou, ou bien, qui dit en contact avec l'actuel directeur général de la police, c'est ça qu'on a parlé. Oui. Eh bien, ça n'y a pas là, monsieur. Non. C'est pas nous-mêmes. C'est ça, une interview et Jean, by à New York Times. C'est pas parole dit, c'est pas parole non. Maintenant, comme nous, nous jouons faire. Si par exemple, nous avons cité la Gombe qui a. Oui, non, tout le monde n'a pas fait. Tu as besoin de dire non, ce n'est pas vrai ou bien pour des explications, nous avons fait, mais c'est ça. C'est ça le dit. Et le journaliste qui fait l'article là, assez honnête pour le dire que il n'a pas vérifié tout ça, monsieur Jardin. Oui. Il va vérifier. Bon, par contre, vérifier de manière indépendante, mais il va l'acte, ça le dire. Maintenant, nous avons dit tout à l'heure que l'arrestation a intervenu dans le sillage, l'arrestation monsieur Mario Antonio Palacios. Il a annoncé qu'il a collaboré avec l'autorité dominicaine et américaine, je parle. Oui. Monsieur a dit aux États-Unis. Il y a quelque temps de le traiter. Après, on peut dans le traiter. Oui, vous faites le 31 janvier. Maintenant, et bon, dans le nouveliste, Jean-Daniel, il y a un pour partager, non. Et nous demandons à l'ambassade des Américains. On commentait sur. Oh, pas un téléphone, Dani. Oh, bon diable.
Oh, bon diable. Téléphone qui t'a bagué là. Pour monsieur ça, attendez, et c'est même. Oui. Mais bon, et nous demandons à l'ambassade là en réaction par rapport à ça qui dit dans le New York Times. Là. Eh bien, j'ai dit que eh ben, nous appuyons, même si c'était pour vous, et ça l'ambassade là dit nous toujours dans notre liste, nous appuyons une enquête approfondie et transparente pour assurer les poursuites dans le cadre de ce crime odieux. Et nous exhortons toutes les parties à suivre la procédure établie conformément à l'état de droit. C'est ça, mon porte-parole, l'ambassade là, nous t'es interrogé sous réaction. Après, New York Times indiqué que vous venez à Renari, qui vient support au groupe là, gagné avant et après des liens étroits avec M. Joseph Félix Badiou, qui est un suspect dans un assassinat et qui fait sous un président Jovenel Moïse. Dans le même contexte, à tout. Dans moment ça, alors que New York Times était en circulation lundi, l'autorité américaine était organisée tout en rencontre avec des leaders de l'accord de Montana. Selon traduction, un message que vous postez sur Twitter, ambassade américaine en Haïti, M. Nichols, lui a indiqué que jeudi à lui-même avec chargé d'affaires américain en Haïti, M. Kenneth H. Merton, a discuté avec le représentant à Montana. J'ai dit, n'a pas cité aujourd'hui le chargé d'affaires Kenneth H. Merton et moi avons rencontré des représentants du groupe Montana en Haïti. Nous les avons exhortés à engager des discussions sérieuses avec le Premier ministre, Dr. Ariel Henry, d'autres intervenants clés sur une solution unifiée dirigée par Haïti qui offre une voie à des élections libres et équitables. Bon. Vous entendez, papi? Vous entendez? Oui. Pour listening? Oui, nous tendez. Bon, c'est ça qui dit là. Ouais. La parole qui vient là, tout, qu'on est tweeté à son côté de temps en temps. Pour regarder ça qui vient sous lui, ben nous voyons un journaliste du New York Times qui indiquait que monsieur genre est favorable parce que il est États-Unis. Et pour qu'on ait monsieur ça qui tout le temps, ben, on sait de gros de pied, monsieur foot. Et soit fait pour Montana rencontrer M. Ariel Henry, il était de oh, bah, Nicole, ça avec tout respect, mais bon, oh, ça va, bon. Ok, ma psy baolio, qui était nous tous, et dans le week-end, ça là, a gagné, dans le bâton rouge, dans la Louisiane, et a fait des placements pour Radio, a gagné, on sommet de l'unité, Unity Summit. C'est comme ça, il y a plusieurs organisations de la diaspora à mettre en place plateforme ça pour aider plusieurs acteurs à joindre une solution à la crise que nous avons fait face à. Qui fait des soirs? Qui? Sénateur Yuri Latortu. Qu'elle dit? Il dit que Pennan avec Montana, je n'en accord. Après, il bon, on aime bien tout là, on est là, mais on va vérifier. Oui, après un peu de discussion. Oui, après un peu de discussion. Oui, nous sommes au courant de qu'il y a un peu de rencontres que tu as fait, oui. Finalement, il y a un sénateur là, toi, tu as annoncé en tête là, mais maintenant, et c'est ça, le sénateur a annoncé, mais beaucoup de littérature sur en tête là pour nous garder. Et pour nous garder ça qui dit dans en tête là. Mais effectivement, le sénateur a souligné que Montana avec Penn, c'est le protocole de tête nationale, ça. Protocole de tête nationale. Oui.